Dimitri, étudiant à Limoux, s'interroge sur son avenir et m'écrit. C'est quoi au juste un auto-entrepreneur? J'ai l'idée de créer mon entreprise dans les jeux vidéo. Puis-je en bénéficier? Bonjour Dimitri et bravo de vous interroger sur votre avenir professionnel. Merci de ce courrier. Sachez que l'auto-entrepreneur, ou plus simplement le micro-entrepreneur, est un régime simplifié de l'entreprise individuelle. Il permet de créer plus facilement une entreprise à but lucratif tout en profitant de démarches administratives allégées, de procédures fiscales et sociales simplifiées. Un auto-entrepreneur correspond à un régime français de travailleurs indépendants créé en 2008 pour simplifier la gestion administrative en remplaçant toutes les cotisations sociales et tous les impôts et taxes par un versement unique et proportionnel à votre chiffre d'affaires. Le régime d'auto-entrepreneur vous permet d'exercer la plupart des professions artisanales, électricien, maçon, architecte, plombier ou encore carreleur. Toutefois, l'auto-entreprise artisanale est soumise à de nombreuses règles spécifiques, les assurances, l'expérience requise, l'immatriculation. L'auto-entrepreneur peut exercer en tant qu'artisan, commerçant ou profession libérale, et ce, à titre exclusivement auto-entrepreneur ou complémentaire en parallèle d'un statut de salarié, retraité ou artisan. Malheureusement, certaines activités sont exclues du régime de l'auto-entrepreneur. On dit qu'elles sont interdites. C'est le cas des activités réglementées, à savoir les professions juridiques et judiciaires, les professions de la santé, l'expertise comptable ou la profession d'agent général d'assurance. Par ailleurs, vous devez savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, il n'est pas possible de dépasser un montant tel que 72 600 euros de chiffre d'affaires pour les prestations de services et 176 200 euros de chiffre d'affaires pour des activités d'achat et de vente de produits.